Et salut à tous, c'est Gringer et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de votre série. Et aujourd'hui on va, comme vous l'avez choisi dans le dernier sondage, faire l'écurie pour nos deux petits chevaux. Donc ils sont Éclair et on ne sait pas encore, et oui, la Simba et Rolf. Donc oui, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné cette série. Ouais, tout simplement parce que je n'avais pas le temps, il y avait d'autres séries en cours avec la série de Noël. Avec toute la série de Noël, et puis après une nouvelle série qui m'a pris un petit peu de temps aussi à mettre en place et à filmer, c'est Galacticraft, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. C'est une série modée qui est super cool, car on peut aller dans l'espace, aller sur la lune, etc. Et là pour l'instant il y a deux épisodes qui sont sortis, donc on est déjà bien rentré dans la série quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on va faire l'écurie ici. C'est pour ça que j'ai enlevé les cactus. Je pense que je vais les remettre derrière parce qu'on en aura besoin. Et donc du coup, pour l'écurie, on va rester dans les mêmes tons que la tour pour que ce soit assez accordé. Et du coup, j'ai choisi par contre de rester qu'avec du light blue, donc du bleu clair quoi. Donc celui-là et pas celui-là. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Le soleil va se coucher là, non ? Je pense que oui, donc on va aller se coucher. Et du coup, on va pouvoir commencer. Alors j'ai zéro plan en tête, mais vraiment zéro plan. Donc on va faire au feeling. Il faut qu'elle soit assez petite quand même, parce que ils sont que deux. Et je compte pas en avoir plus, à moins d'avoir un bébé, mais c'est tout. J'ai limite pas envie de faire plusieurs box. Je dois faire un seul box pour eux, quoi, parce que ça va être un couple. Enfin bref, du coup, ça on va le virer. Maintenant, il faut savoir, est-ce que je le colle à la maison comme un garage, ou alors je le détache un peu. On va le détacher un petit peu. Ça serait peut-être plus stylé. Ça aurait été stylé de le faire en diagonale, mais je pense que ça va être chaud. C'est chaud, mais en même temps stylé. Non, on va pas le faire en diagonale. Déjà que j'ai pas de plan en tête, si en plus je m'amuse à le faire en diagonale, ça va pas aller. Donc, on va s'avancer de 1. Hop. Bon, comme ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé sur cette série et que c'est un petit peu votre série, j'aimerais savoir dans les commentaires si vous avez envie de me dire quelle série vous avez envie de voir. Ou alors ça vous plaît déjà d'avoir ça là, du coup, votre série, et d'avoir Galacticraft en modé. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'une certaine série. Si je peux la faire, je la ferai sans hésiter. J'aurais aussi aimé faire un Fallen Kingdoms ou un Sky Defender ou quelque chose comme ça, mais c'est pas moi qui l'organiserai. Donc si vous connaissez quelqu'un, un youtubeur ou un petit youtubeur hein, comme moi, pas un super grand, mais un youtubeur qui fait des Sky Defender ou des choses comme ça, ce serait assez sympa que vous proposiez mon nom pour que je puisse participer. Voilà. Ça peut être sympa d'avoir une série comme ça sur la chaîne. Parce que même si j'avais déjà testé, je vous laisse aller voir, c'était mon organisation et c'était assez compliqué à l'époque. Surtout avec un internet assez pourri. Bon, je vais compter 1, 2, 3, 4. Ok, donc je vous arrête un petit peu dans l'épisode, juste pour vous parler du sondage. Donc, je vais vous proposer un sondage qui est toujours dans la description. Vous cliquez à côté du sondage numéro 1, de toute façon il n'y en a qu'un. Vous cliquez sur le lien qui est à côté et vous répondez au sondage, vous inquiétez pas, comme d'habitude, pas de virus, etc., vous inquiétez pas. Donc du coup, le sondage sera pour le prochain, ben pas celui-là, mais celui d'après. Donc là on est à l'épisode 9, l'épisode 10 on va faire quelque chose. Pour l'épisode 11, que voulez-vous qu'on fasse? Donc est-ce que vous voulez qu'on décore notre grand tour, donc la maison? Ou alors, est-ce que vous voulez qu'on aille chercher le Stronghold? Voilà, donc vous allez dans la description, vous choisissez, et on fera ce que vous voulez. C'est vous qui faites avancer la série, donc n'hésitez pas. On empêche cette forêt, elle m'aide plutôt pas mal, parce que ce bois, j'aime beaucoup quand même. Voilà, donc déjà ça c'est fait. Je réfléchis. Est-ce que je ferais pas tout un plus grand?
juste pour mettre les bouts de bois en avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre ça va aller là. Je vais même faire une hache, parce que sinon ça va être le brin. Voilà. Ok. Et là maintenant, on va mettre du light blue à l'intérieur. J'ai repoussé les bouts, les troncs, parce que du coup, ça rétrécissait au milieu, du coup, si j'avais fait directement un à l'intérieur, quoi. Ouais, c'est bon. Il n'y a que la blackstone que je ne sais pas où mettre. Voilà, je pense que ce sera bon pour ça déjà. Et maintenant, la blackstone, comment je vais m'en sortir? J'ai pas forcément envie de la mettre en toit, quoique. Est-ce que je ferai un toit de blackstone? Ici, je mets quoi? Je mettrai des dalles de bois peut-être. Pour faire ressortir un peu le truc. Bon, on va faire ça, je vais chercher, je crois que j'ai encore des escaliers. Alors le toit, je le pose où? Ouais, je le poserai bien comme ça, ouais. Ça, j'en aurais pas assez, il faudrait que je refasse. Et ok. Donc, on a ça comme ça. Ça fait pas ouf. Alors, je réfléchis. Ok. Alors, j'ai comme idée de faire ça. 1, 2, 3. Qui reste. Enfin bref. Et là du coup, on va pouvoir mettre ça pour nous aider. Ah oui, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est à partir de ce niveau-là déjà, on va mettre un escalier. Donc un escalier là. Et là du coup, on va monter. Ça fait trop haut ou pas? Moi j'aime bien. Il faudrait qu'il commence un peu plus tôt. Il y a déjà des araignées et tout ici. Je les entends super fort et je sais pas où elles sont. Allez, on va aller voir. Est-ce que ça ne ferait pas trop haut maintenant? Si. Non, ça fait trop haut. On revient comme avant. Bon, c'est pas mal pour l'instant. On verra ce que je fais avec ça. Mais là, déjà, je vais faire tout le tour du toit. Donc, on se retrouve juste après. Ok, et donc, on a fini avec le toit. Voilà ce que ça donne. Ici, j'ai fait un petit truc en plus. Comme ça. D'en haut, je trouve que ça fait un super beau toit. Vous voyez? Je trouve, franchement, j'aime bien. Ce qui me semble, ce qui fait un peu bizarre, du coup, c'est d'en bas. Voilà, bon ici ça va encore, moi j'aime bien. Bon, encore ça passe. Mais ici, c'est un peu chelou. Je sais pas comment faire pour régler le souci. Bon, ça change rien. Hop. Mais du coup j'ai pris des petits trucs comme ça pour habiller un peu le truc. Parce que là, on va faire l'entrée. Les chevaux sont assez gros, on leur fait une big entrée. Voilà. Puis là, ils sont plutôt pas mal. On a des torches.
Voilà, au moins elles seront bien éclairées. Là, on mettra des barrières. Là, on va décorer comment? On va voir. Tac, ici, hop, ici, des barrières peut-être. Ouais, plutôt comme ça. Hop. Lui, on le met là. Et là, il y aura une barrière comme ça qui descend, une barrière comme ça qui descend. Il va où, lui? Il va là. Et lui, il va là. Ouais, ça va, c'est plutôt pas mal. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas moche. Voilà, puis sur les côtés, on va laisser comme ça. Et derrière, voilà, c'est un derrière, donc on s'en fiche. Mais voilà, ça me paraît plutôt pas mal, une petite déco comme ça. On va faire des barrières. Voilà, ça habille déjà un petit peu. Hop, normalement, ils peuvent passer là. Et là, il faut faire des petites barrières. C'est ça le problème. Qu'il faut qu'on fasse. C'est l'inverse, il me semble. Donc, ce serait ça. Hop et hop. Ok, donc là, ça en fait qu'un. Voilà. Et bah, c'est génial. Là, alors, on mettra du foin et tout plus tard. Pour l'instant, j'ai pas tout ça. Bon, on va pouvoir les déplacer. C'est toi. On va d'abord t'emmener toi. Hop. Voilà. Lui, il est vraiment rapide. On ne sort pas. Voilà. Pour éclair et je ne sais plus qui. Et eh bien c'est très bien, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Donc n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner. C'était Gringer. Salut!